coiffeuse. Vous voyez mes cheveux. Elle va me faire mes mèches. Vous n'allez pas au courant que je vais la filmer. Donc, ça va être assez rigolo pour moi. Avec Cyrielle en train de te maquiller. Un bracelet en pierre précieuse, semi-précieuse. Des bracelets chemin de vie. Mm. Tu connais?
connais? Oh, j'en ai des tas de bracelets et les pierres. Mais ceux qui font chemin de vie? Non, non, celui-là, non, pas. C'est-à-dire, il a quoi de spécial, celui-là? Mais en fait, tu donnes ton... C'est une femme à Nîmes qui est très réputée. Elle s'appelle Lydie Cristofaro. Tu regarderas son site. Et en fait, elle te demande ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton nom de jeune fille. Et en fonction de tes réponses, si tu veux, elle va te donner... va te donner les pierres qui te correspondent. Et t'es allée à Nîmes ou elle l'a fait par correspondance? Elle fait les deux. Mais elle est hallucinante, quoi. Je te montrerai le papier après, parce qu'elle te donne ton papier comme une ordonnance, en fait, avec... Ah, mais c'est, en plus, ça m'intéresse. La définition de toutes les pierres. Et ça t'apporte, en fait. Ça te protège. Ça... Ma fille, elle faisait des terreurs nocturnes. Quand on est allé pour faire son bracelet chemin de vie. Chemin de vie ou chaman de vie? Chemin. Chemin. Je parle du nez peut-être. Désolée. Son bracelet chemin de vie, en fait, on lui disait qu'elle avait des terreurs nocturnes. Et elle lui a fait. Elle lui a mis une pierre à mettre sous son oreiller. Un caillou, enfin, une pierre, quoi. Ouais. On n'a pas refait depuis. Après, les pierres, tu sais, il faut les rincer. Je les rince régulièrement et je les recharge au soleil du matin. Et tu les rinces avec quoi? L'eau normale? Je les passe sous l'eau froide et après, je les mets sur la fenêtre au soleil, elles se rechargent. Non, mais je saurais quoi regarder ce soir. Je vais faire mon bracelet, je me dis. Elle est hallucinante, cette femme. Elle est incroyable. Elle devine en toi, c'est un truc de fou. Et elle travaille, c'est une chose trop. Ouais, donc vaut mieux y aller quoi. Hein? Vaut mieux y aller. Ah, pour la rencontre, oui. Elle travaille avec sa fille et sa petite fille. Et ça coûte combien le bracelet? 30 euros. C'est des pierres, c'est pas des pierres précieuses, hein, c'est des pierres. Oui, mais c'est quoi? Des cristaux de roche, l'amistite, ouais, c'est comme ça tout, je te montrerai la feuille qu'elle m'a fait pour moi. Après, c'est propre à moi. Ouais. Toi, ça sera différent. Ouais, mais rien que pour la rencontre, ça vaut le coup d'y aller. Ouais, elle t'en apprend plus sur toi que toi, ouais. T'es au courant. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, par contre, il faut avoir de la patience. Hein, parce que... C'est long? Oui, c'est super long parce qu'il y a énormément de monde. Elle est très très connue. Ah, tu vas comme ça sans rendez-vous? Et ouais. Les gens viennent de partout. T'attends. Puis c'est pas le genre à bâcler. Toi, c'est des choses à dire pendant un quart d'heure. Même s'il y a 6 personnes derrière toi, elle va te prendre un quart d'heure pour te raconter. Moi, j'aime ces gens. C'est clair. Prendre le temps déjà, ouais. C'est ça, exactement. C'est qui t'en a parlé? C'est la fille qui me fait des ongles. En fait, elle était malade. Elle a chopé un truc au rein, je crois. Non, c'est peut-être pas au rein. Enfin bref, elle ne pouvait plus marcher dans le fauteuil roulant. Et son mari, il est brancardier à l'hôpital de Nîmes. Et il y a des infirmières là-bas qui lui disent, mais pourquoi tu ne l'emmènes pas voir Lydie pour qu'elle lui donne des pierres pour l'aider. C'est ce qu'il a fait. Bon, elle lui a fait deux bracelets carrément. Donc je pense que... Écoute, elle a été mieux. Alors, bon, après, elle a eu les traitements, elle a été arrêtée pendant 6 mois. Je ne veux pas dire que ce soit le miracle. Oui, c'est une aide. Mais je veux dire, je pense que quelque part, ça a pu contribuer à... Je vais avoir un bracelet de plus.
Et après, c'est des jolis cadeaux à faire aussi. Comment ? C'est des jolis cadeaux à faire. C'est clair. Parce que c'est vraiment un cadeau propre à toi. Mmh. Quoi. C'est ce qu'elle m'a dit, moi, la première chose. Tu sais, elle te prend la main dès que t'arrives. Mmh. Parce que je pense qu'elle doit avoir quand même un peu de... Un fluide. De magnétisme, mmh. De... Elle dit, vous êtes trop gentille. Elle veut mieux être trop gentille que trop méchante. Mmh. C'est pas toujours bon. Ah ça, c'est sûr. Ben, après, c'est surtout les autres qui en profitent. Tu sais, c'est comme l'expression. Elle est brave. Mmh, ouais, pas brave, trop con. Ouais, et puis, c'est pas forcément très flatteur. Mmh. Quand on dit, elle est bien brave. Hein. Du coup, tu vois, je savais pas quoi offrir à ma sœur pour son anniversaire. Après, elle voulait une palette de maquillage, mais bon. Je pense que ça serait plus sympa, tu vois, qu'on parte à Nîmes toutes les deux et... Mais moi, j'ai fait ça. Qu'on aille se faire faire un bracelet. Avec Justine. Alors, Justine, elle adore tout ça. Et du coup, on y était allé. En plus, Justine, elle est du mois d'avril. Et... Donc, on a fait la surprise. On était allé. Elle m'a dit, mais tu m'emmènes où? Je lui ai dit, tu verras. Je t'emmène quelque part. On avait été chez Lydie, puis après on s'était mangé dans un bon petit resto au bord des. Autour des arènes, là. Mmh. On avait passé une super journée. Mmh. Bon, tu me passeras les coordonnées. Je crois que je vais faire ça. Je vais dire. On ira faire une journée à Nîmes. Ah. Tu manges, j'adore cette ville-là. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime Nîmes. Ça y a combien là? Il y a une heure de route. Nîmes? Ouais. C'est à 33 km. 33 km? Bien sûr. Oh, mais c'est à côté, hein? Bah, bien sûr. Ça me paraît au bout du monde. Ouais, donc ça fait quand même pas une demi-heure, quoi. Le temps d'arriver dans Nîmes, tu mets 40 minutes. Pour se garer, c'est facile ou c'est galère? C'est un peu galère. Il faut que tu ailles dans le parking. Les parkings sont très bien faits. Quand tu arrives, tu vas au parking des arènes. Puis c'est le centre de tout. C'est tout autour de la ville, après c'est facile. Ouais, donc si je me gare au parking des arènes, et bon, c'est à côté de toute façon, cette femme. Moi, c'est ce que j'avais fait. Puis tu mets ton GPS. Mmh. Tu vas à pied avec le GPS, il me dit toujours tout droit, alors c'est pas compliqué. Plein de copines qui les ont et aucune de nous a la même couleur. T'en as, ils sont super clairs, t'en as, ils sont super foncés. Merci. Claire. Ah. Sacré travail, cette dame. Elle peut faire ça toute sa vie en fait, à la retraite. De quoi? Bah, c'est bien de recevoir les gens, parler avec eux. Ouais, elle piétine toute la journée, hein. Mais tu verrais comme elle est belle, je suis sûre qu'elle a au moins 80 ans cette femme. Oh, ah, je t'assure, tu verrais comment elle est. Oui, donc tu vois, c'est ce que je dis, elle part pas à la retraite. Puis ça doit être génial de travailler avec sa fille, avec sa petite fille. Enfin, bon. Oui, elle transmet du coup. Eh oui, carrément.
signe quand même. Mais tu sais, mine de rien, je crois que ça fait un an qu'on les a faites les mèches. C'est pas vrai. Ben, c'est parce que je me rappelle, ça a été pour le spectacle de c'est l'association vrai. De chant et. Bon, je vais à moi, s'il te plaît, comme ça. Comment ? Comme ça, la pas. Tête. Comme ça. Ouais, parfait. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement, j'ai fait, oh, ça fait déjà un an. Donc en fait, ils ont poussé tout ça en un an. Oui, et puis toi, de toute façon, tu. Comme t'es quand même clair, c'est pas choquant. Ouais, même naturel, mes cheveux, j'ai toujours des racines. Quand j'étais au lycée, tout le monde croyait que j'avais une couleur de cheveux. Mais non, ouais, avec les racines que t'as. Mais elles n'ont pas fait de couleur, je vous dis. Mon exercice pour naturel. Elle est là, là, Audrey. Comme je te dis, fait comme d'hab, ouais. Je la fais pas, l'arrêt, elle se fait toute seule. Des fois, c'est chiant. Hein. Comme ça. Non, tu peux remettre droite. Droite. J'ai repris hier. On va me fermer lundi et mardi. Maintenant, c'est trop bien d'avoir des week-ends. Pardon ? C'est trop bien d'avoir des jours de repos. Pendant des années, quasiment 7 sur 7. C'est moi qui m'endors. Mmh.
On a encore beaucoup. Non, ça y est, c'est fini. Il me restait deux mèches. Genre comme ça. T'as plus de produit pour deux mèches. C'est vrai qu'il y en a qui est vraiment pas beaucoup. Ah oui. Le chien se met sous le pied. Attendre. Et toi, petit.